Salut tout le monde, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette grande finale de la détection 2. On y est au départ, ils étaient 20 000 et il n'en restera plus qu'un à la fin de ce live. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de nous retrouver. Ça nous donne aujourd'hui un lobby de 100 joueurs qui vont s'affronter lors de deux games, mesdames et messieurs. Deux games pour se qualifier en grande finale de la détection. Il faudra juste être dans le top 12 à la fin de ces deux games et vous aurez une chance peut-être de remporter la détection et d'être le talent de demain. Est-ce que l'avenir c'est vous ? On va le savoir. Je suis avec Société Générale, on est posé et on va observer un petit peu ce qui va se passer ce soir. Donc première partie en Battle Royale où on respecte le format classique de Fortnite parce qu'on veut voilà, les mettre dans les vraies conditions. Et après on ira les tester de manière un petit peu plus précise individuellement mais aussi dans des modes créatifs que vous avez l'habitude de voir et d'apprécier. Et le format, bah, il est comme hier. Voilà, tout simplement un point par élimination et ensuite il faut essayer de cumuler à ces points de kill quelques points de top. Même si là, vu qu'on vise le top 12, va falloir être régulier sur les deux games et être assez costaud, je pense. Et directement, on va tomber sur voilà, Liwa. Liwa qui a Pleasant Park, Liwa plutôt tranquille. Là, il doit y avoir une pression pour les joueurs. Quand tu sais que t'as que deux games et qu'il faut être dans le top 12, c'est tellement resserré pour aller accéder à cette fameuse grande finale. Hein. C'est la phase 3, c'est la phase finale de la détection. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on vibre grâce à ça. Et c'est parti! Alors que je vous rappelle, on va essayer de passer sur plein de POV différents, ne vous inquiétez pas le chat. Profitez du contenu, on a des modops qui sont au taquet hier, ils ont fait un super travail d'ailleurs et je compte sur eux pour faire encore mieux aujourd'hui. Viper hein, sur Tinox, justement le joueur de Monaco, du LOSC pardon, hein, LOSC MCES. Excusez-moi, je confonds, Tinox. Deux personnes qui vont se tuer le tournoi hein, parce que là celui qui meurt, celui qui perd ce fight, ils vont vraiment jusqu'au bout hein. Parce qu'il y a aussi un monde où ils réfléchissent tous les deux et ça disengage et on va en zone. Et Viper a failli en profiter avec une petite balle de snipe. Mais il a pas osé aller au bout de son action. Tinox. Viper qui est dans la mêlée. Ouais, non, Viper qui a plus de construction, c'est terminé pour Viper. Tinox, il peut l'avoir, voilà. Oh, attention parce qu'il est quand même. Non. Tinox, il a tout le temps qu'il faut. Viper n'a pas de quoi monter. Voilà, pas de bêtises. À l'expérience, le joueur du LOS. Donc Raito qui va quand même faire un petit peu attention, même s'il conserve l'avantage. Hein. Niveau des recharges, même de shield, il est assez à l'aise, Raito. Il peut se permettre. Ah, par contre, la petite répu là, on aurait peut-être pu essayer de l'économiser, même s'il veut, on le voit, hein, laisser aucune chance à son adversaire. Voilà, la petite tête qui passe, il va remettre en confiance. Faut finir le travail. Hein. Le truc, c'est qu'il a pas de pompe, hein, Raito. Hein, vous l'avez vu, hein, il a pas de pompe. Donc, du coup, il est obligé de le jouer à mi-distance. Ça sera toujours ça de prix. Il prend son temps. Limo, tiens, Limo, premier kill. Donc, déjà, il démarre très bien. Bravo. On peut déjà lui dire bravo à Limo. Parce que je vous l'ai dit, il est dans un lobby quand même avec 80 joueurs PC. Certes, hier, il a roulé sur le tournoi console. Il avait vraiment montré des facilités, mais c'est surtout au niveau de sa logique de jeu, ses décisions. C'est là où je l'ai trouvé vraiment très bon. Slime de l'autre côté, hein, vous le voyez en train d'essayer de repousser son adversaire. Hein. Je pense pas vraiment qu'il y ait une volonté de faire mal là pour le moment. Juste, non, viens pas ici. Tout va bien, ça fait plaisir hein, de voir comme ça des nouveaux pseudos arriver. C'est le but totalement de la détection. Alors bien sûr qu'il y a des pseudos que vous allez reconnaître, forcément. Ça met un peu plus de rivalité dans les games. Mais voilà, une grande majorité de pseudos, on les découvre, on vibre avec eux. Et on voit quand même qu'il y a du sacré niveau hein, dans les joueurs comme ça, Fortnite, qui crament. Mais qu'on voit pas forcément briller sur... Ouais, non, c'était pas une bonne idée ça. Bobby, c'était pas une bonne idée. Moi, perso, je l'ai vu. Hein. Le temps de viser était tellement long que c'était sûr et certain. Hein. Je vous l'ai dit, il y a que des cracks dans la game. Oh, l'erreur de Walter. Oh, il peut s'en vouloir, Walter. Alors, après, est-ce qu'il avait vraiment le choix? J'ai l'impression qu'il n'a pas osé switch à la K. Pour l'instant, pas de raison de se précipiter. Hein. Ça aussi, c'est important. Quand vous voulez jouer à haut niveau, bien comprendre la situation. Là, il n'y a rien qui presse. Vous avez 1 minute 8 avant que la Storm s'active. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un gros all-in. Et justement, Slime qui a tombé à Sina. Jules qui en profite pour passer par derrière. Safe, finalement, il est au-dessus. Il a réussi à profiter là, de ce petit bordel en bas. Mais du coup, vous avez vu que ça lui a fait sortir de sa tourelle. Mezzo, rien à dire. 3 kills, il a 2 piments, il a un poisson de vie, il a tout ce qu'il faut. Pour le late game, il est très 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 bien parti. Limon, on l'a vu au fond, caché dans sa box avec une trentaine de shields. Donc ça prouve qu'il a plus de recharge, donc ça va être assez compliqué. Sauf s'il trouve des kills sur le chemin. Call. Et voilà, Firax, finalement, alors vraiment une simplicité, le kill assez folle. Hein. Je pense qu'il y a les moments où ça commence un petit peu à lagouiller, hein, vous connaissez. Parce que là, son adversaire a pas vu le jour. Les bonnes balles d'air, bien placées. Et maintenant, bah, c'est la zone hein, qui vient un peu l'embêter et qui lui fait claquer ses constructions restantes. Je donne pas cher de la peau de Firax.
Il va arriver sur ses trois dernières constructions. Oh là là, ça va passer, mais dans quel état il va sortir? Ah non, il sortira pas. Hein. Même là, il était attendu par Raiden. Tu en as profité, Raiden. Très malin là-dessus. Il avait entendu un mec se faire crack derrière lui, donc il était pas bête. Hein. Il avait les yeux rivés par ici. Je pense que les serveurs là ont un peu de mal à tenir. Il y a beaucoup trop de joueurs en vie. Ils sont 62 pour venir fêter Noël ensemble. En plein milieu, justement, de cette zone, hein, vers Retail Row, vers Cathy Corner, la zone enneigée, justement. C'est une zone assez plate, hein, on a une grosse vision, il y en aura pour tout le monde de l'espace. Il y a quelques collines, quand même, quelques montagnes, et on voit justement ce que je disais, les top killers sont à 3 kills. Slows vient de tomber à l'instant. Donc, best player Mezzo reste le leader de la game, actuellement. Donc, c'est ça, 3 kills, 2 kills. C'est une bonne nouvelle, parce que je pense que ceux qui sont morts regardent le live et se disent « Mais j'espère qu'il n'y a pas des mecs qui vont s'envoler en termes de classement. » Bah, pour l'instant, non. Mais il reste encore 59 joueurs. Tout va changer d'ici l'activation de la moving. Vous le voyez, hein, le joueur du LOS qui se débrouille vraiment bien, hein, finalement, dans cette game. Il a eu un ou deux moments chauds. Oh, il est là, le lance-roquette! Et il sera là en late game, bien évidemment! Oh, il y a quand même un 98 de réponse de la part de best player et Woody qui va se faire attaquer parce que tout le monde le veut, ce lance-roquette. On le sait, mais il n'y en a qu'un seul par game. Et il donne un avantage considérable, surtout dans des games stack comme ça. Mais il faut aussi avoir les roquettes qui vont avec. On en a trois du côté de Woody, le joueur 13 up, qui doit tenir bon, qui doit tenir bon. Là, il est pris d'assaut. On veut son roquette à tout prix. Il a le temps de recharger. C'est le kamikaze, peut-être. Non, 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 il n'a pas lâché la roquette. Allez, on va donner ça à Ori. En toute simplicité, Ori qui va sûrement le ramasser, hein. Oh, et Mezzo qui vient de se faire surprendre par derrière alors qu'il était lui le leader de la game. Certes, il a le plus de kills possible, mais s'il rentre pas dans les places payées, regardez le format. Les passes bien payées, je parle. Hein, donc à partir du top 15, ces 4 kills ne valent pas grand-chose. Il faut venir les accumuler avec des points de top pour se sécuriser le top 12. Parce que oui, c'est ça qu'on vise lors de la phase 3. C'est le top 12 à la fin des deux games pour être en grande finale. Qui se passera en créatif juste après, justement. Et bien sûr, les gains, hein, 5000 euros de setup pro pour le gagnant. Et on a maintenant une dernière zone qui est vraiment pas évidente. Hein. Regardez, elle va venir forcer les joueurs à sortir de la colline. Et on retrouve Ori qui est plutôt bien placé, hein, plutôt vers les hauteurs. Enfin, je me demande si Limo est encore parmi nous, hein, un joueur qu'on a un petit peu suivi forcément. C'est le premier qualifié pour la grande finale, lors des demi. Liwa qui vient de tomber, Mona Reizu. Ori qui maintient sa position sur les hauteurs. Petite splash, voilà, c'est bien, on sécurise, hein. Comme ça, si on meurt, on n'aura pas de regrets. Et on va aller faire un tour, hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que bah là, il doit y avoir du combat, hein, surtout pour ceux qui sont en dessous. Ça va pas être évident. Mezzo, qui est justement lui dans la mêlée, hein, qui a finalement réussi à survivre, mais là, il n'a plus rien, il a même plus de construction. Donc là, Mezzo, il est dans une situation où il peut pas jouer la survie, il doit absolument tuer, trouver des stuff. Il gère bien ses dernières construits, mais... Oh, un poisson fight qui a été claqué, il en fait plaisir, voilà. Cette zone qui régale les joueurs qui avaient la hauteur. Beaucoup trop facile. Allez, Smoul qui vient de lâcher Oh, ça va lui coûter quand même un peu de construit. Lui aussi, il n'en a pas énormément à cause de cet atterrissage un petit peu loupé. Ori qui vient tomber Sokatoy. Blue qui tombe Inei. Loki qui va tomber Liwa. Wifi Gang qui tombe Raiden. On arrive vers les derniers survivants. Ils ne sont plus que 27 maintenant debout. Le top 15 se rapproche. Il faut te dire Leiko qui tombe Vasa Wifi Gang. Oh, on a Youssouf, tiens, Shori Youssouf, c'est un pseudo qui me dit rien, qu'on n'avait pas trop vu, il s'était pas trop mis en lumière. Et ben voilà, il a attendu le meilleur moment. Il se fait pas remarquer pour se faire remarquer lors de la première game de la finale de la détection 2. Bravo à lui, Shori Youssouf. On va rester un petit peu sur lui parce qu'il va manquer de construction, donc il va être obligé de créer du jeu. Et pour l'instant, il profite très très bien des éléments du terrain pour essayer de gratter une place dans la zone sans forcément avoir à dépenser. Youssouf, en vraie difficulté, Youssouf. Il vient chercher peut-être un kill dans le dos pour récupérer des points de vie dû au mode sensu. Il va y arriver. Il y a un HP. C'est terrible pour Youssouf. C'est terrible pour Youssouf. Il vient de tomber face à Blue dans le back. Skyden qui a tombé Ori au même timing. Blue qui enchaîne le double kill sur Brow. Blue qui tombe finalement face à Wavy. On n'est plus que 10 dans la game. Avec Razia qui vient de s'écrouler face à Madcap et Radbuzz qui a tué Opaz. Alors qu'on retrouve Loki. Loki sur la hauteur qui vient mitrailler son adversaire. Skyden qui vient de se faire laser bien comme il faut. Et Loki qui continue de garder cette top position. Il y a moyen d'y aller, il y a moyen d'y aller sur ce top 1. Safe vient de tomber face à Wifi. Loki, 4 kills qui a attendu, on va dire, les derniers instants avant de passer à son tour à l'action. Et voilà, forcément, ça pouvait
pas se passer autrement. Il fallait que quelqu'un vienne le contester, sinon c'était beaucoup trop facile. Belle réaction de Loki, qui a déjà répondu en termes de dégâts et qui a récupéré une hauteur pour pouvoir se remettre en termes d'HP. Très bien réagi. Là, le problème, c'est qu'il va falloir des construits. Donc, il est obligé de descendre, là. Ouais, il est obligé d'aller chercher ce combat. Et c'est parfait, c'est le meilleur timing pour y aller. C'est le meilleur timing pour y aller. Les deux joueurs étaient en train de s'affronter. Du coup, il a plus qu'à ramasser. Pas d'erreur. Pas d'erreur, Loki, face à Lazarov. Et c'est Babouche, Loki, qui s'impose lors de cette première game avec 5 kills. La détection commence son travail. Lazarov, top 2. Loki, top 1. Bah, le classement, non? C'est ça que vous voulez, oui ou non? Eh ben le voici, le classement avec Loki. Premier, sans surprise, 19 points. Donc pas tant que ça, je vous l'ai dit. Hein. Alors, il faudra faire attention au top 12. C'est le top 12 qui se qualifie, bien évidemment. Mais pas tant que ça, vous savez que le nombre de kills, voilà, entre 5 et 6 kills. Petite mention à Suf qui a enchaîné les 6 kills. Mais voilà, Loki premier, 19 points. Lazarov deuxième, 16 points. Jan Lee, pas donc 15 points. Wavy, 14 points. Eye Blue, il a été monstrueux hein, aussi, hein, 6 kills. On l'a vu, surtout que c'est des kills qui sont récupérés comme ça en dernière moving zone. Donc très solide, Eye Blue. Bonne gestion des mats, bonne gestion des potions pour arriver à rester en vie jusque-là et arriver à faire ce massacre derrière. Très belle game. Bice Maul, ça passe aussi pour l'instant parce qu'il y aura une deuxième game. Matka, Buzz, Ori et Safe et Skyden ferment la marche avec la 12e place. Let's go! On va aller revoir, ouais, dites-moi s'il y a des joueurs spécifiquement que vous voulez voir un peu plus, même si on va pas aller en permanence sur ce que vous dites, parce que pour suivre ça, prendre des petites nouvelles, tu vois, aller voir des petits points, stuff. Skyden! Qu'est-ce qui vient de se passer pour le joueur qui était actuellement 12e au classement? 12e au classement, il était qualifié il y a cela quelques secondes, et là c'est terminé! Et là, c'est terminé pour Skyden, c'est fin de détection. La sentence, je vous l'ai dit, elle est violente. C'est violent, l'e-sport. C'est violent. Sinox, au moins ceux qui sont en vie ont encore un espoir. Et on vous l'a dit hein, que ça va slay. La preuve, regardez, hein, y a déjà eu une dizaine, même plus d'une dizaine de morts. Je vous ai pas menti, hein, ça va vraiment slay. Ils ont totalement compris ce qu'il fallait faire pour ceux qui n'avaient pas réussi leur première game. Et du coup, ça va mettre en péril. Ouh, Sinox qui est finalement mort de chute face à Bad on Fire, qui a mis une trop grosse pression. Vous avez le 1v1 hein, sous les yeux entre Lina et Eternal. Liwa qui est sorti, qui a mis une belle balle. Turn qui avait tenté avec le bidon. Mais Liwa, il est là, il est quand même expérimenté. Hein, quand même. C'est très très solide. En fait, c'est simple ce qu'il fait, c'est propre, mais c'est efficace. Attention par la fenêtre. Ah non, il n'y a pas de fenêtre, il est bien sûr déjà remplacé. Ça paraît rien, hein. Peut-être que pour certains, vous dites, ah, c'est quoi ces deux Bambi qui s'affrontent. Mais je vous assure que c'est super stratégique. Entre tout ce qui se sont usés dans l'appartement au départ, porte de sortie trouvée, de turn par au-dessus, il vient essayer de faire une edit, balle de pompoto. Faut pas se louper là-dessus, parce que derrière, Liwa, il était prêt à accueillir et à récupérer tout ça. Et ben, ça a été un fight très très long, mais très intéressant. Loki, premier du classement régulier, qui est en train de rouler bordure de zone. 2 kills déjà confirmés. Il était, je rappelez-vous, à 19 points, 3 points d'avance sur le deuxième. Donc, parfait avec ces 2 kills. Il croit. Il protège un peu sa position parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre l'ait un peu rattrapé. Mais surtout, il se met en place pour aller chercher en plus de ça un top. Il est en combien le top 12? Bonne question. Le top 12 est à 10 points actuellement. C'était 10 points top 12. Donc il avait 6 points de retard sur le top 12, comme tu as pu le comprendre, par exemple Palette, vu qu'il était à 4. Mais une fois qu'il a fait ses 6 points, maintenant il faut marquer des vrais points pour compenser ceux qui vont eux aussi marquer durant cette game. Donc le top 12 était à 10 points, tout pile. On me dit que Palette a encore un kill, merci Toxty, qui est mon consultant direct sur le chat, Toxty. Information réceptionnée. Bah après Palette, là il a pris en confiance et surtout il a pris en stuff, donc il est... Il est à l'aise. DK Viewer, c'est propre, c'est ByCloud qui nous dit ça. J'avoue, merci à tous, ça me fait extrêmement plaisir. Intéressant. A-Pop, un joueur pour A-Pop. Il est tombé face à Nephal. Premier kill de Nephal qui a 6 splash, 4 piments, une grosse pot de rechange qui va pouvoir se prendre. Il est très très bien, Nephal. Il est très 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 bien, il a 1500 de construit, il est au top du top. Eye Blue, tiens, lui aussi commence à se rapprocher de la zone de danger. Mais forcément, tout le monde se rapproche, hein. Elle devient de plus en plus petite, cette zone-là. Surtout voilà pour ceux qui sont venus à la détection avec en plus de ça déjà un nom de club sur les épaules. Déjà une sorte de passif sur les épaules. Bah c'est responsabilité supplémentaire parce que s'ils se loupent, ils sont attendus au tournant dans ce genre de programme où on laisse la place à l'avenir. Et Palette toujours hein. Ah Tinox est tombé. Aïe aïe aïe, Tinox est tombé face à Liwa. On le voit en haut à gauche.
Il y a Flows avec 4 kills, Viper du coup 3 kills qu'on avait sous les yeux, Bobby Stu, Loki. C'est, après voilà, c'est que les joueurs qui jouent le placement, donc ils sont à 2 et 1 kill. Donc vous avez vraiment 3 gros joueurs là qui slay un peu. Parce qu'il y a beaucoup trop. Oh, ils sont tous. Regardez la zone, elle est horrible. Oh, oh mon dieu, ils sont tous à gauche, mon dieu, regardez. Oh, pas mal. Pas mal la nouvelle zone. Ils sont tous. Et là, du coup, ça va pas aller en s'améliorant. Hein. Mais ils ont créé une last zone un peu trop tôt là. Il y avait la moitié du terrain qui était pas du tout occupé. On retrouve safe, tiens, qu'on avait un petit peu laissé tranquille. Là, ça va être le moment de péter les failles. Pour ceux qui sont vraiment pas dans la zone, hein, les failles, les répulsives aussi, parce que vous avez une petite hauteur. Donc, avec la répu, vous pouvez quand même parcourir une grosse distance. Tiens, est-ce qu'on pourrait retourner un moment sur palette, hein, parce que là, Loki, on le reverra, parce que je pense pas qu'il va mourir tout de suite. Il est top killer, il est numéro 1 du classement, donc il va pas prendre de gros risques. Mais palette! Palette qui est sur un très bon rythme, qui voilà, peut encore nous montrer des belles choses, peut profiter peut-être de ces derniers instants dans la détection 2 pour nous séduire. Voilà, on est là pour ça, on le regarde. Et le chat, je sais que vous avez envie de le voir parce que bah il avait l'air, lui, d'être très agressif. Hein. Je vous rappelle qu'il avait quasiment pas de points. Et si en plus, ça se finit par une qualification, ça serait en plus de ça magnifique pour lui. Là où sur Loki, on sera pas surpris s'il se qualifie, tu vois. Loki, on veut juste voir s'il refait top 1. Et s'il fait top 1, bah, on sait qu'il a gagné quasiment la phase Battle Royale. Palette 6 kills, ça suffit pas mon frérot. Ça suffit pas mon frérot. Alors bien sûr là c'est le timing, le pire timing pour fight. Hein. Il est pas bête, il va pas faire voilà, des fights tout de suite. Donc là il joue le repositionnement. Loki qui conserve cette top hauteur. Là vous le voyez avec le plan large. Palette ! Palette qui va arriver du ciel. Alors qu'est-ce qu'il va faire Palette ? Est-ce qu'il va essayer de contester Loki qui serait peut-être ambitieux ? Ou est-ce qu'il va juste temporiser un max et aller en zone ? Je pense que c'est plus la deuxième solution. Hein. Voilà, il va aller piquer en zone. Parfaitement fait pour Palette. Et Viper aussi hein, qui fait partie des joueurs les plus agressifs, qui lui aussi se retrouve embarqué dans une faille. Bah là c'est le bon timing pour faille parce que bah vous avez ceux qui sont en bas qui sont trop occupés à se déplacer. Et il y a encore trop de joueurs à droite et à gauche pour que tu t'occupes de ce qui se passe dans les airs. Donc ils ont bien raison de faille maintenant pour justement bah, faire vider le serveur hein. Le temps que tu retournes de ta faille, il y a 10 mecs en moins, c'est parfait. Et vous avez les failles, les dernières failles qui vont avoir voilà leur... Oh mon dieu, Palette, le réflexe de fermer là alors... Palette ! Palette ! Palette ! C'est fini pour Palette ! Limo aussi, c'est fini pour Limo ! Et il est tombé face à Viper ! Un Slayer en tombe un autre ! Ils se sont croisés les deux au pire moment pour Palette. Viper ! Qui lui a démarré avec 0 points cette game 2. Viper, c'est encore plus dur hein, de se qualifier que ce que devait faire Palette. Et on sent le coup de stress de Viper, hein. On sent le coup de stress de Viper. Il a heureusement 3 poissons hein, pour pouvoir justement gérer cette situation. Le but c'est quand même d'en conserver au moins un. Très bien placé Viper pour la suite, c'est Lazarov qui a récupéré la top hauteur pour le moment. Lazarov qui va tout faire pour la garder, il y a iBlue qui est encore aussi debout. Zayf qui est dans la mêlée. Natu aussi qui est encore là avec Murat, avec Loki, Loki aussi qui tient. Loki, Lazarov, iBlue, ces 3 joueurs qui avaient déjà bien performé. Safe qui était 11ème au classement, qui est en train de sécuriser sa qualification. Et il veut tout faire pour faire partie du top 12. Safe, il va y arriver, Safe. Surtout avec ce kill supplémentaire, il l'aura totalement mérité sa qualification. 3 kills maintenant pour Safe. Mais qui va aller chercher ce top 1 ? Lazarov, Loki sont encore là normalement. En tout cas pour Safe, bonne nouvelle, il est qualifié, c'est bon. Mathématiquement, il peut pas se faire shipper la place. Safe qui protège un peu ses arrières, il a bien raison. On a Lazarov hein, qui a la hauteur, hein, qui va la perdre justement à l'instant. Comment il va réagir? Les néons, les pattes bleues! Les pattes bleues de Lazarov, le bon réflexe hein, justement. Pour ne pas mourir de dégâts de chute. Bah, c'est incroyable, hein, c'est incroyable de voir qu'il reste Loki, qu'il reste iBlue, qu'il reste Jules là-dedans, qu'il reste Lazarov. Natu est tombé. Ragbuzz vient de tomber face à Lazarov. Ori aussi, hein. Ori que vous avez en bas à gauche, il était 10ème au classement. Safe qui a tombé à iBlue. Safe qui peut aller faire le top 1. Mais en face de lui, il y a Ori. En face de lui, je crois qu'il y a encore Loki. Il y a encore Loki, c'est ce que je suis en train de me dire là, vraiment. C'est vraiment ça la game là. Il y a Loki, il y a Best Player Safei. Et c'est... Attends, Loki qui peut aller faire le top 1. Loki qui peut aller encore une fois faire le top 1. Mais c'est extraordinaire. Mais on a déjà détecté quelqu'un là. Mais on a déjà détecté quelqu'un. Mais il va le faire hein. Mais il va le faire. Loki. Incroyable. Loki qui confirme hein, sa top forme du moment.
Loki, un joueur qui était déjà chaud, hein, on le sait, mais là, qui vient montrer qu'il est un cran au-dessus de ce lobby, en tout cas. Cette régularité folle en termes de top, en termes de kill. 40 points en tout, Loki. Franchement, très difficile de faire mieux. Voire quasiment impossible. Donc bravo Loki, tout simplement au-dessus du lot aujourd'hui. Maintenant, il va falloir qu'il prouve aussi en créatif s'il veut aller chercher en plus les récompenses. Mais déjà, il a marqué totalement la détection. Bravo à Lazarov aussi, 27 points. Bravo à iBlue aussi, 24 points. Ça passe. Buzz, 200 IQ, 23 points. Ori aussi, qu'on a vu tenir, même lors de la deuxième game, alors qu'il était déjà top 10. Voilà, il vient gratter 5 places supplémentaires. J'ai déjà lu Safe aussi, qui a été très très bon sur le late game de cette deuxième game. Wavy, ça passe avec 20 points. By Small, ça passe avec 19 points. By Genius, Jules, 18 points, vous le voyez. Suf, donc ça passe aussi, hein, 10e avec 17 points. C'est Fake, qu'on a vu justement à la fin, hein, qui restait parmi les 3 derniers survivants. 11e position, donc GG à lui. Sans ce positionnement-là, il ne se qualifiait pas. Donc, solide. Je pense que lui, il peut vraiment être rassuré là. Et Razia, dernier qualifié avec 16 points, top 12. Et du coup, ils vont maintenant s'affronter en créatif pour aller chercher les gains. Là, ils le jouent que pour les gains. Pour moi, les 12 qualifiés, pour moi, les 12 qui ont réussi leur détection maintenant. Les épreuves, je vais vous les expliquer. Je pense que vous n'allez pas être surpris. On est sur des choses... On va démarrer par un stand de tir. Simple. Épreuve individuelle. Ils vont passer par groupe de 4. Donc, 3 groupes de 4 joueurs qui sont 12. 3 groupes de 4 joueurs. Ils vont avoir 4 minutes pour faire un maximum de points qui seront directement injectés à leur classement. Première étape, épreuve de tir. Tous les 5 cibles, vous avez 1 point. Si vous avez 4 cibles, vous avez 0 point. Deuxième épreuve, ça sera du box fight. Ils seront tous dans un box fight. Ça va durer 25 minutes. Et on aura du coup la dernière étape qui sera une moving zone en 8 manches. Et donc pareil, 1 point par top, 1 point par kill et 1 point en plus si vous faites top 1. Et bah c'est parti, je crois. Je crois que ça a démarré. Là, on voit du coup, bah, ils ont un timing avec une arme. Hein. Plus d'infanterie, 45 secondes. Dès que les 40 secondes se sont écoulées, ils auront tous une nouvelle arme. Et il faut 5 cibles, justement. On regarde, je vais voir quelle va être la prochaine arme. Je vois aussi qu'ils sont que 3, donc je vais demander pourquoi ils sont que 3. Parce que je m'en vois 4 dans le lobby, mais on en voit 3. Allez, 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 ça cartouche dans tous les sens. Là, ça a l'air d'être extrêmement simple. Hein. C'est juste une question d'efficacité. Il y a 6 points d'avance pour Ori sur Ragbuzz. Nous, après, on fera les comptes et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Mais toutes les 5 cibles touchées, ça leur confirme 1 point. Fin de partie, on va savoir les scores de chacun. 163 pour Ragbuzz, 156 pour Jules. Youssouf, 142. Ori, 142. Égalité, justement, entre les deux troisièmes. Donc, c'est bien. Ça leur permet d'avoir des petits points. Finalement, il n'y aura peut-être pas tant que ça d'écart. Hein. Là, comme vous voyez, vu que c'est tous les 5 points, une cible, il y a combien d'écart? Il y a 10, il y a 15, 20 points maximum d'écart. Donc, au pire, il y aura 3-4 points d'écart entre eux. Mais c'est 3-4 points qui pourront faire la différence à la fin des 3 épreuves. Donc là, vous avez vu comment ça se passe. Il y a 3 groupes de 4 qui vont passer comme ça. Et ensuite, on fera un point classement une fois que les 3 groupes seront passés. Et je vous dirai qui a pris la tête grâce à son shoot, grâce à sa vivacité. Il y aura quand même 5 rounds dans box fight pour arriver en carry 2-3. Et ensuite, il y aura 8 rounds en moving zone. Donc, la victoire se gagnera sur ces épreuves-là. Deuxième groupe. C'est pas évident, c'est que du très très lourd. Et justement, Safe, c'est que du très très lourd. Ils ont tous des très bons shoots. Et pour l'instant, c'est Lazarov qui est en train de prendre l'avantage avec iBlue qui a 30 points. On saura par élimination hein, qui est anonyme 256. Allez, on passe sur le pompe de guerre. Mesdames et messieurs, on l'a vu. Hein. Là, c'est... Ah, hey, il se fait shipper, là. Il se fait... Oh, on lui vole toutes ses cibles à Lazarov. Ça se passe très très mal pour Lazarov, là, qui avait dû partager, qui s'est fait justement prendre la première place. 10 secondes de pompe de guerre. Ah, là, j'avoue qu'il n'y a pas de technique. Hein. C'est vraiment... voilà, il a tout compris, Lazarov. Loki, il sécurise sa première place. En vrai, si Loki ne rate pas de cible, il peut techniquement plus se faire dépasser. Il a juste à en assurer 2-3 de plus. Va la chercher, va la chercher, va la chercher. Il l'a eu. Il n'a pas eu les 180, Loki. Loki n'a pas eu les 180. On va revoir le score. 179, 166, 163, 145. Safe qui a validé un bon dernier point tout pile. Même épreuve, 4 minutes, marquer un maximum de cibles. C'est maintenant. Et c'est Razia. Bah, pour l'instant, égalité hein, entre les 3, même peut-être les 4 joueurs. Ça doit être frustrant pour lui là, de les voir un peu aller très très vite. Et les 3, ils se tiennent hein, parce que du coup, on passe beaucoup de temps sur Mezo parce qu'il a la caméra sur lui. Mais Smoul qui est très chaud à 110, 107 pour Razia, 106 pour Weavy. Les 3 se tiennent, les 3 sont dans une bonne cadence. Alors après, pour une bonne nouvelle pour les 3 autres, j'ai l'impression qu'il y a plus de cibles disponibles sur cette map là. Vu qu'il y a un joueur qui en laisse pour les autres. 3 secondes, 2 secondes. C'est terminé. Small premier, Razia deuxième. On va voir les points, on va voir les points. Donc Small, premier, simple, avec 189 points.
Razia deuxième avec 167 points. Weevy troisième avec 151 points et avec 50 points d'écart carrément. On a Mezo avec 104 points. Et je vous l'ai dit, hein, techniquement, ça ne doit pas sucrer tant que ça d'écart dans le haut du classement, sauf pour Small, qui a dû se régaler. Et oui, regardez Small. Small qui, grâce au stand de tir, a pris 2 points d'avance sur Loki. Et oui, 2 points d'avance sur Loki. Et c'est pas rien, 2 points, parce que bah, je vous l'ai dit, maintenant, ils vont marquer les points un par un. 1 point, 1 kill, 1 point si tu gagnes un top de plus, et 1 point si tu fais la victoire royale. Donc, bon, certes, si tu fais une grosse manche, tu peux prendre beaucoup de points, mais il va y avoir du combat. Ça y est, ça part, box fight à 12. Vous avez en plus le mode dub, ça régale, on n'avait pas ça avant et c'est tellement mieux avec. Et c'est Lazarov qui est déjà mis en difficulté, je vous laisse regarder au niveau des armes. Tout le monde a la même chose, le même nombre de constructions, le space, l'air, le shield, les mini-potes. Hein. Si vous avez suivi le box fight Warrior, vous connaissez le format. Mais on voit justement, merci beaucoup, Razia qui est tombé, Ori qui est tombé, ce sont les deux premiers. C'est triste de tomber très tôt parce que je vous rappelle que plus vous gagnez un top, plus vous marquez de points. Loki qui va tryhard. Loki qui est un peu mon petit chouchou. Voilà, je vous le dis. C'est un peu mon petit chouchou, mais c'est parce que j'aime bien. J'aime bien que ça soit au mérite. Et c'est vrai que si on parle de mérite, vu ce qu'il a fait sur les games de Battle Royale, c'est juste sublime. Mais voilà, il y a des gens qui sont là pour le perturber. Et parfois, c'est pas celui qui a le plus beau jeu qui gagne. Eyeblue qui tombe. Eyeblue qui perd son face à face. Youssouf. Lazarov. Safe, qui sont à l'écran. On a Ragbuzz qui reste encore debout, Ivy aussi. Vu que c'est pas les mêmes qu'on perd sur le stand de tir et sur la première manche, quasiment tout le monde va être entre guillemets à égalité avant le début de la deuxième manche du box fight. Et du coup, tout le monde est averti là. Hein. Tout le monde est vraiment averti. À part Lazarov, c'est le seul, s'il fait top 1, il se met extrêmement bien. Lazarov, aïe aïe aïe, Lazarov, alors qu'il pouvait vraiment créer l'exploit, va sûrement s'incliner top 3 avec ses 8 points de vie. Il prend même pas le temps de se remettre des mini-potes. Hein. Pour lui, 8 ou 58, c'est la même chose. Ouais, c'est juste que si... Mais, ah, il est mort. Adieu. Oh, oh putain, là. Franchement, son adversaire aurait pu s'en vouloir. Hein, là, s'il le prenait pas, ce fight. Lazarov, il aurait peut-être dû se mettre les mini-potes. Alors, ça aurait rien changé, là, les mini-potes. Mais en fait, c'est au cas où il fait un kill, bah, ça lui aurait permis d'avoir 100 shield. Allez, Wavy, qui est très à l'aise pour finir la première manche de ce box fight. Wavy. Alors, il n'y a pas eu tant que ça de gros killers à part Wavy. Mais Wavy, je vous rappelle, il était 8ème. Donc techniquement, ça remet un petit peu tout le monde dans le même main. Il va nous rester 4 manches et ensuite on ira en moving zone pour finir cette finale de la détection. Mais du coup, ça y est, ils se sont familiarisés avec la map. Loki, s'il veut rester dans la course, là, faut pas qu'il se chie. Hein. Sinon après, il va avoir le stress qui va commencer à arriver parce que tu sens que t'es en train de perdre la main. Et à partir de là, tu vas commencer à peut-être faire des erreurs supplémentaires. Oh, Lazarov, la déter. Elle est là. La vraie. C'est bon, il est parti. belle fuite de l'adversaire. Safe, qui va passer par derrière. Faut rentrer dedans. Faut gérer la balle de pup. Elle est parfaitement gérée. Lazarov, lui aussi à son tour. Qui avance petit à petit. Qui gratte de l'espace. Hein. Son stuff, il l'a mérité. Hein. Il l'a eu à la force de ses kills. C'est pour ça qu'il a beaucoup de munitions. C'est bien fait. Double space hein, ici. On avait vu double air sur Lazarov. Là, c'est double space. À l'ancienne. 4 joueurs restants, je rappelle qu'il y a un point bonus pour le top 1, en plus des points de top et du point de kill. Ça tombe du côté de Jules, malheureusement, tombé face à un safe un petit peu trop à droite. Safe qui a eu le bon réflexe avec poisson direct pour les points de vie, mini shield pour au moins être vers les alentours des 150 et faire face à un Ori qui est un petit peu en dessous. Hein. Nous on le voit, alors le problème c'est qu'il a moins de points de vie safe, donc à la zone il perd. Au shield il gagne, à la zone il perd. Donc il doit absolument jouer le fight safe. De toute façon Ori va le jouer aussi, hein, parce qu'Ori ne se doute pas une seule seconde qu'il avait 10 HP de plus et voilà. Safe en toute simplicité avec du contrôle. Réussite top 1, 5 kills. Alors 5 kills, je crois que c'est cumulé. Hein, donc à dissocier ce qu'il a fait du round 1 et du round 2. Mais Safe qui réussit un très très bon round. Ce qui le remet totalement, encore une fois, dans la course. Hein. Dans la course aussi, c'est marrant parce que tu vois que ceux qui performent sur le stand de tir sont pas les mêmes qui performent en box fight. Et après, de toute façon, en moving zone, bah ça sera encore plus technique. Mezo qui est dans l'attente. Eyeblue qui a pas encore fait son kill. Hein. Il y a Eyeblue et Loki, malheureusement, avec Small, qui sont toujours à 0 kill. Ce sont les 3 seuls joueurs. Et c'est dur, là, psychologiquement, faut arriver à déclencher le compteur, t'as l'impression que c'est pas possible. Ça se lave un peu plus, il y a un peu moins de respect du terrain. On n'attend pas la zone avant de se la mettre. Et pour l'instant, bah, vous voyez, il y a 2 joueurs qui ressortent un peu, Weavy, Safe, qui sont assez agressifs. Et là, surtout, Krasia, il est pris par plusieurs adversaires en même temps. Il y a Safe. Il est dans tous les bons coups, Safe, hein.
Il est dans tous les bons coins. Alors, je suis pas sûr que c'est lui qui l'ait eu. Parce qu'il est toujours à 6 kills. C'est intéressant ce qu'il propose Loki. Il a vraiment, du coup, un énorme espace pour lui. Et du coup, bah voilà, dès que quelqu'un va arriver pour venir se positionner au centre de la zone, boum! Il est attendu. Oh, Loki qui lance une mini-pote. Qu'est-ce qu'il fait, Loki? Il a cru qu'il avait des grenades ou quoi? Loki, il a 3 poissons de shield. Il a, 10 mini-pods, mais ça, on s'en fout. Il vient de ruiner un top 1. Loki, il a su. Alors après, peut-être son adversaire aussi a été malin, a attaqué au bon moment, mais là. Là, il y avait 3 poissons, là, fallait jouer autrement. Loki, du coup, qui est dans le mal. Lazarov, qui va peut-être le suivre. Ou les 3 poissons qui finissent dans les mains de Wavy. Wavy, qui est le plus heureux des hommes actuellement, qui vient d'avoir le top 1 le plus tranquille au monde. Mais parce qu'il a eu ses couilles et qu'il est parti à l'attaque d'un Loki bien protégé au centre du terrain. Mais là, je vois vraiment pas comment Wavy le perd. Hein. Je vois vraiment pas dans quel monde Wavy perd cette manche. Il a 3 poissons sur lui, ses 2 adversaires sont en train de se face. Non, c'est gagné pour Wavy. Il y a juste un petit point à prendre en plus pour Ragbuzz sur Lazarov. Et Wavy qui va venir. Bon, il va jouer la survie. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Faut pas jouer à ça avec Wavy. Il a 3 poissons qu'il récupère sur Loki. C'est Loki qui aurait dû être à sa place. C'est Loki. Et pourtant, il s'est fait avoir. Allez, Loki. S'il va encore avoir l'espoir de gagner, ça sera sûrement sur la moving zone. Donc, faut au moins assurer 2 boxfights corrects. Hein. Quand je dis correct, c'est minimum top 3 avec 1 ou 2 kills. On voit vraiment juste qu'il y a des gens qui sont un peu plus habitués. Regardez Wavy, Safe, qui sont maintenant à 8 kills confirmés. Et voilà, hein, c'est pas du hasard. Hein, c'est des gens qui ont l'air d'être très à l'aise avec ce mode de jeu. Bientôt plus de balles d'air hein, pour Wavy qui a beaucoup utilisé. Et surtout qu'il a pas trop ramassé sur ses adversaires, j'ai l'impression. Parce qu'il fait des kicks à longue distance pour le moment. Jules, hein, qui va lui ne plus faire le moindre bruit. La zone qui devient vraiment de plus en plus petite. Ceux qui ont économisé leurs poissons sont très très bien. Jules est juste au-dessus. Hein. Ah, voilà, Jules qui va tomber. Je crois des dégâts de la zone. Je pense que personne n'a eu le temps de le toucher réellement. Quoique, je vois Safe avec 9 kills maintenant. Eh ouais, je crois que c'est Safe qui l'a eu. Hein. Je crois bien que c'est Safe qui l'a eu. Il est à 9 kills, ce qui lui permet d'avoir 1 kill de plus que sur Wavy. Wavy, il lui reste son poisson. Safe aussi, il lui reste son poisson. Non, il ne l'a plus. Oh, le timing est propre. Il a été aidé par Wavy. Justement, Safe 10 kills hein, pour le moment, c'est le top killer du box fight. Et justement, Wavy qui va jouer la sécurité, il avait plusieurs poissons d'avance. Il en avait 2, je crois. Et du coup, bah là, il sait qu'il a la survie en évitant le combat. Intelligemment joué, il est face à un Safe qui est on fire au niveau des duels. Du coup, bah Wavy qui le joue à la sécu, très bien joué. Belle analyse du terrain, belle analyse du jeu. Ragbuzz, 5 kills à l'écran. Donc là, cette fois-ci, on n'utilise pas encore hein, le milieu du terrain. C'est la dernière manche. Hein. Il y a 7 joueurs restants. Donc là, ça s'est quand même un petit peu lavé. Wavy est tombé très tôt. Ça, c'est une bonne nouvelle pour un Safe qui peut s'envoler là maintenant. On voit en termes de kills. Non, il y a vraiment que 2 qui sont sortis forts. Alors, Mezo commence à revenir assez bien avec ses 7 kills. Il a claqué son poisson un peu tôt, je pense, Safe là. Il voulait avoir 200 HP pour son fight. Mais je vous le dis, hein, vu comment les stuffs sont tombés très tôt. Ça va être compliqué la survie là. Donc faut jouer les combats. Ragbuzz qui a 2 poissons, vous le voyez à droite. Qui est face à Ori. Sur sa droite, il doit faire attention parce qu'il y a Mezo qui est en forme aussi. Hein. Mezo qui est bien remonté, il a 8 kills. Dans cette, avec cette manche là, il a bien cartonné. Il était 9ème au classement avant le box fight. Il y a des grandes chances qu'il soit premier après. Faut pas être malin pour le deviner. Ça joue de la porte, il y a de la stratégie, il y a de la technique. On voit que Safe il est très à l'aise en box fight. Et ça a totalement surpris Mezo. Même s'il a réussi à mettre une belle balle, Safe ressortira vainqueur. Et ça fait 11 maintenant au niveau des kills en 5 manches. C'est impressionnant. Et surtout qu'il peut en rajouter potentiellement 2. Attention à lui de pas trop attendre la survie. Je vous rappelle qu'il y a 2 poissons sur Ragbuzz. Donc c'est à Safe de créer le jeu, il le sait. C'est à Safe d'y aller. Safe, il pourrait se mettre trop bien s'il récupérait ce kill sur Ori. Ori, voilà, il restait donc bien un poisson sur Ori qui a compris qu'il va devoir le prendre très très vite et aller chercher le fight. Ah bah non, il le sait, il a perdu. Il le sait, il a perdu face à Ragbuzz. Ah, il pensait que son poisson allait suffire, mais en face, il y en avait 2. Ori qui s'incline et Ragbuzz qui réussit à finir sur un top 1. Ah, Ori qui va s'en vouloir. Il aurait dû au moins tenter d'aller prendre le face-à-face, même si dans ce genre de situation, vu qu'il y en a un qui attend, c'est quand même plus simple. Et c'est pas si... on en a 4 hein, qui peuvent gagner. Regardez, Safe, qui effectivement, avec cette bonne prestation, 59 points récupérés sur le box fight, prend la tête du classement.
88 points pour Safe, 29 points au centre de tir, 59 points en box fight. Mais il est suivi de très très près par Lazarov, 80 points, 8 points d'écart. C'est une manche de moving zone, quoi. Une manche de moving zone où Safe meurt en premier ou en deuxième, là où Lazarov réussit à faire un top 2, un top 3, et c'est oublié, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas gagné, pas encore pour Safe. Il va falloir qu'il soit tout aussi bon en box fight qu'en moving. Sinon derrière, il y a Wavy qui peut lui aussi hein, revenir clairement au classement en fonction de ce qu'on vont faire les autres. Et il y a Rakbuz qui lui aussi peut revenir, parce que même 74 points, c'est pas irrattrapable pour aller chercher la victoire. En dessous de 74 points, ça va être compliqué. Hein. 66, 59, 58. Alors à part si un mec nous enchaîne des masterclass, genre 3, 4 top 1, ça me paraît compliqué de vraiment se dire « Oh, les 4 en haut vont se louper et on va prendre des places petit à petit. » Parce que bah, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes sur le box fight et la moving est pas si différente. Donc, tout est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez soutenir? Qu'est-ce que vous voyez gagner? Nous, on se met en place pour la moving zone et on démarre dès que possible. C'est la dernière épreuve de la détection 2. On y va et on a déjà perdu Mezzo. Heureusement, c'est pas celui qui était pour l'instant dans le haut du classement. Ceux qui vous suivent très très près, c'est Safe, c'est Lazarov, c'est Wavy, c'est Rakbuz. Ces quatre pseudos, retenez-les. Et justement, on a Safe en haut à gauche, on a Wavy qui est troisième en bas à gauche. Et on avait la troisième POV sur Lazarov. Safe, ça va le faire peut-être pour Safe. Hein. Je vois qu'il y a un gros public derrière lui. Tu vois, un Safe, il a plus l'habitude d'être en live, il sait que le chat, tu vois, il... Alors que d'autres, ça doit les mettre en pression de se dire « Putain, j'ai raté ma balle, je vais me faire juger. » Vu qu'ils ont l'habitude d'être devant des grosses audiences. Pour l'instant, il a l'air de se diriger vers la victoire, sauf si un de nos joueurs en décide autrement. Comme Rakbuz, regardez Rakbuz. Pour l'instant, voilà, il y a eu très petit Lazarov qui est mort très tôt. Bonne nouvelle pour Safe. Donc là, son vrai adversaire hein, à Safe, hein, c'est Rakbuz, parce que Wavy aussi est tombé. Avec 2 kills. Bon, on va dire qu'il a dû prendre 8 ou 9 points de classement. 2 kills, il est déjà 11 points de prix quasiment. Rakbuz, sur cette première manche, il a pris 11 points et il avait, je vous le dis, 18 points de retard. Donc s'il a pris 11 points et que Safe en a pris 1, bah, il passe de 18 points de retard à 7 points de retard. Donc ça peut tout changer. Donc là, il se met trop bien Rakbuz avec le fait que Lazarov, Wavy et Safe sont morts très très tôt dans cette première manche de Moving Zone. Mais je vous le rappelle, il y en a 8. Il y en a 8. Allez, Jules qui... bah finalement, voilà. Attendez, peut-être... on va dire un format un peu plus classique pour montrer ses talents de joueur expérimenté. Et voilà, des belles mécaniques démontrées avec cette balle de pompe sur Ori. Avec un escalier comme ça posé sur le côté. Propre, c'est des choses qu'on voit rarement. Et bien réalisé, bien mis en place par Jules. Donc maintenant, bah, il est dans la course. Maintenant, Jules a rejoint les 4 autres et il est dans la course au titre. Surtout s'il est à l'aise en moving et qu'il nous fait que ça. La victoire lui est promise. Jules est... rentrer dans le paquet avec Rakbuz, avec Wavy, avec Lazarov, avec Safe. La pression est totale sur 12 joueurs. Ils sont 5 actuellement à pouvoir gagner la détection 2. Safe est donc tombé. Il y a iBlue qui est tombé aussi. Ori qui est tombé. Ça va pas là pour Safe. Ça ne va pas. Mais je crois qu'il a pris un 200 hein, parce que sa barre d'HP elle a fondu d'un coup. Justement, Rakbuz qui s'est fait allumer encore par en haut. Il a plus de potions cette fois-ci. Lazarov trop bien installé. Lazarov beaucoup trop bien installé. Les 4-5 joueurs en dessous. BJNews, Jules est tombé. Jules est tombé très tôt. Jules est tombé top 6. Très bonne nouvelle pour Lazarov. En vrai, c'est trop chaud ce tournoi. Ah bah là, je vous l'avais dit. Hein. En fait, la détection, c'est ça. C'est que ça démarre tranquille. C'est un peu fun, etc. etc. Mais plus t'avances, plus frère. Que des stremons, hein. Lazarov qui s'est fait calmer par Mezzo. Attention, vous allez le voir à la fin du tournoi, ça risque de se jouer à 3 points ou à moins que ça. Allez, troisième round, mesdames et messieurs de la moving. Je rappelle qu'il y en a 8 et qu'ensuite, on pourra plus du tout rajouter de points au classement. Après, c'est finito. Et on est tranquillement sur un petit iceberg, là, une petite colline enneigée. Alors que Youssouf, regardez Youssouf, regardez Youssouf. Regardez la stratégie de Youssouf, là. Est-ce que vous êtes Team Youssouf sur le chat? Est-ce que vous êtes ce genre de joueur vous aussi? Allez vous planquer le plus rapidement possible. Ça se régale. Allez, on a Safe. En bas à gauche de l'écran, faut pas l'oublier. Hein. C'est lui qui était leader au classement après le box fight. Ouais, Safe, on le sentait quand même beaucoup plus à l'aise en box fight. Hein. Parce que là, ça ressemble beaucoup plus à des vraies fins de zone. La moving... Mais tu sens que le box fight, il a dû en faire vénère. Hein. Combien de manches? 8 manches. 8 manches
Save qui vient de tomber top 9. Ça commence à cumuler les mauvais tops là. Allez, Loki. Loki qui peut encore espérer. Hein. Loki qui aura quand même marqué la détection. On pourra pas oublier hein, ce qu'il a fait. Son parcours est quand même magnifique. Même si je pense qu'il y a peu de chances qu'il termine premier, mais on sait jamais. Il y a beaucoup de... Oh, Loki qui n'y a pas cru et qui du coup s'est fait totalement avoir par Wavy. Et le top 1 va être normalement récupéré très facilement par Razia face à un Wavy qui n'a plus rien. Et la victoire de Razia, sans souci sur cette manche. GG à lui. De toute façon, Loki perd de ouf en ce moment. Il va bientôt signer dans une structure. Bah honnêtement, j'espère pour lui. Honnêtement, j'espère pour lui. Parce que bah, ce que je dis, de toute façon, tous ceux qui ont eu cette capacité à se qualifier en grande finale, pour moi, méritent, tu vois. Ils ont vraiment réussi leur détection. Donc du coup, ouais, ça me choquerait pas. Et surtout que Loki, en plus, il a marqué les deux games de Battle Royale. Il a vraiment ça pour lui. Tu vois, il pourra dire, ouais, ok, j'aurais peut-être fait top X sur la finale, mais j'ai gagné les deux games de Battle Royale qui sont quand même les plus importants. C'est le mode de base du jeu. Allez, d'ailleurs, Loki, il a la hauteur, là. C'est peut-être son moment, c'est peut-être sa game. Faut pas monter trop aussi, hein, parce que là, il n'y a pas vraiment de moyen de descendre. Hein. Faut bien gérer sa hauteur. Voilà, c'est pour ça qu'il a eu un petit peu peur de se faire fracasser. Et ça va peut-être être son moment, ça va peut-être être son année Loki, l'année 2021, on lui souhaite. En attendant, il s'est fait rafaler. Tiens, il y a Jules, côté droit aussi, hein, qui engage les hostilités face à un adversaire. Au niveau des top killers hein, de cette session de moving, on a Mezzo, on a Jules, on a Ragbuzz, qui sont pour l'instant les trois à s'illustrer avec 5 et 6 kills. Hmm. Ah, il y a Orio juste au-dessus, Jules qui va se glisser tranquillement, on se peut oublier. C'est intéressant d'avoir des pseudos qu'on connaît, hein, qu'on attend justement avec un certain niveau et du coup d'autres qu'on découvre. Même si les pseudos qu'on connaît et qu'on reconnaît, c'est pas des gens qui ont pour le moment fait une grosse carrière, tu vois. C'est pas le top 300 EU. Mais effectivement, leur expérience là les aide un petit peu et tant mieux. Hein. Parce que bah j'ai envie de dire, pour ces joueurs là qui sont dans le mou du classement e-sport un peu francophone, voire européen depuis maintenant quelques mois, bien joué à Razia. Bah c'est le moment où jamais en fait, s'ils perdent pas cette année, en tout cas pour Fortnite, ça va devenir extrêmement compliqué sur Fortnite en tout cas. Et donc du coup, bah c'est leur moment à eux, hein, c'est la dernière ligne droite. On me dit que Jules est potentiellement top 500, ouais top 500 possible, top 500 possible. Mais je pense que ouais, c'est peut-être plus ça la vraie définition, les vrais gros pros pour moi, ouais effectivement c'est le top 300. Pour être compétitif sur Fortnite déjà, et puis après pour atteindre, je vous le dis, le top 300 européen. Hein. Là c'est, ouais là c'est un métier, hein. Là ça devient un métier hein, clairement. Allez, Babouche Loki, bien placé pour le moment, safe dans la mêlée avec Youssouf et Wavy qui sont en train de se fight. Safe, il aime bien profiter de ce moment-là pour intervenir, mais là je pense que bah, il voit les rounds défiler et pas super bien se passer, et surtout que je crois qu'il est toujours à 0 kill, safe. Donc là, ça se passe vraiment pas bien, c'est fou. Comment vous expliquez ça, le chat? La différence entre le box fight et la moving? Comment tu peux avoir un écart? Alors, est-ce que c'est peut-être les autres joueurs qui se réveillent ou quoi? Est-ce que c'est lui qui a eu la pression une fois qu'il s'est vu sur la première place? Du coup, ça commence à se chier un peu dessus. Mais là, là on le voit justement, Safe, il est à 0 kill, quoi. Ça fait mal, alors que c'était le top killer du box fight. Comment vous expliquez ça? Mais il y a quand même quelques points communs, et je trouve ça fou de passer de ange à démon, quoi. Vraiment, c'est les deux opposés, hein. Là, c'est plus le même joueur qu'on a sous les yeux. Alors, en tout cas, d'après le chat, la logique voudrait que Jules l'emporte, je crois, hein, ce que vous me dites dans le chat. Jules qui est peut-être celui qui se rapproche le plus, ou voire même qui est peut-être même dans le top 300 EU. Ça peut être marrant, hein. Dites-vous que si quelqu'un gagne du coup face à quelqu'un comme Jules, c'est encore plus gratifiant et il méritera encore plus ce titre de détecté. Après, si Jules l'emporte, bah on va dire que la logique a été respectée. Tiens, en parlant de safe, bah il vient de tomber. Il reste Loki, il reste Lazarov, il restait Ragbuzz. Lazarov, Loki. Et c'est la victoire de Loki, enfin! Loki qui se réveille, hein! Loki qui se réveille là sur cette fin de tournoi! Loki qui fait grimper le compteur! Loki qui fait grimper le compteur! Ouais, la map partait en couille! Hein. Loki qui est en train de se mettre très 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 bien! Parce que là, même. Bah, safe techniquement, il est plus premier quoi! Enfin, après avoir perdu autant de points potentiels, il est plus premier! Et il l'était avec, je vous l'ai dit, hein, 8 points d'avance sur Lazarov! Il l'était avec 10 points d'avance sur Wavy! Il l'était avec 14 points d'avance sur Ragbuzz! Il l'était avec 22 points d'avance sur Jules! Mais là, tout est relancé! Et c'est vrai qu'un Loki qui s'était fait un petit peu plus discret là, avec le box fight. Après, il était à 59 points, il avait 29 points de retard. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas.
Trop dur à dire. Beaucoup trop dur à dire. En tout cas, tant mieux que le format nous amène vers le suspense que je souhaitais. Et du coup, bah, il faut maximiser ses points. Et Jules, il l'a compris. Hein. Vous avez vu que Jules, là, il a totalement changé sa stratégie. Et vous voyez la map hein, qui a été justement recréée avec les références à la Société Générale. C'est la famille. C'est vous l'avenir qui est indiqué en grand, le 120 de Jules. Allez, on va finir ça tranquille. 48 plus 120. Les calculs sont vite faits. Il faut 2 balles d'air. Ah, c'est dommage, t'es sur Ragbuzz. Hein. Ragbuzz, c'est un prétendant au titre. Oh, on vient de trouver un petit Loki. Un petit Loki qui croque sous la dent. Jules mal en point pour essayer de monter hein, sur ces bâtiments. On a représenté le siège social de Société Générale. Plein milieu du terrain, le grand bâtiment bien moderne, bien classe. L'avenir est là, mesdames et messieurs. L'avenir est là, c'est vous l'avenir. Safe. Et on a des joueurs en face qui sont quand même très chauds. Justement, il y a Jules face à lui. Il y a Jules face à lui, le candidat direct. En tout cas, il en fait partie et Jules qui a pris le dessus en éliminant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est contacté. Oh, Jules qui tombe top 6 finalement. Top 6, top 5, c'était un petit peu flou. Peut-être même top 4 pour Jules finalement. Je vous rappelle qu'il y a un point de plus par top, un point de plus par kill. Et le Villa Victoriale rapporte un point bonus après tout ça. Lazarov qui va mourir tranquillou de la zone accompagnée d'une balle de Wavy. Et Wavy, on en parlait. Wavy qui remonte de très 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 loin. Il était 3ème avant et là, il marque un grand coup. On va enchaîner avec du coup la 7ème manche et la 8ème manche. Ça va y aller. Le classement est totalement imprévisible. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de retard. Wavy, hein, Wavy, franchement, non négligeable. Moi, pour moi, c'est un des trois. C'est Wavy, Lazarov ou Jules. Moi, je dirais un des trois. Avec, je pense, un petit titre quand même de... Un petit clin d'œil, justement, à Loki. Allez, le... Oh, attendu, Loki. Réceptionné, Loki. Mais là, il est perturbé. Là, il est pris de court. Hein. Là, en face, ça va plus vite. C'est plus adroit. Wavy, qui vient d'être tombé par Jules. Super opération, là, pour Jules. Qui vient, en plus de ça, confirmer son 10ème kill. Mais surtout sur un adversaire direct qui est mort tôt. Parce que ça sera un simple top 8 pour Wavy. Il se met très très bien, Jules. Il se met très très bien. Je vous rappelle qu'il était 5ème avec 66 points. Donc 24 points, 22 points de retard sur le premier. Mais là, les 22 points, il les a fait. Ragbuzz qui vient de tomber. Lazarov qui reste debout. Faut que Lazarov reste debout pour au moins avoir un candidat hein, qui peut faire face à Jules. Mezo aussi, hein, mention spéciale à Mezo qui fait 10 kills aussi, Mezo. Hein. Mezo, c'est juste le problème, ça a été son box fight à Mezo. Hein. Il a fait que 23 points, là où d'autres ont fait 59, 47, 48. J'ai eu peur, hein, parce que là, c'était la victoire avant l'heure. Hein. Lazarov qui recrée le suspense en éliminant comme ça violemment un Jules qui arrivait dans son dos. Et on y va pour la dernière manche de la détection de dernière manche de cette grande finale avant de savoir qui remportera les 5000 euros de setup pro et bien sûr les autres remporteront 3000 euros de matos gaming pour avoir encore plus de chances de performer sur les prochains tournois. J'espère que vous êtes prêts à clôturer cette détection. Hein. Ils étaient 20 000 au départ. Et oui, et on est là. Vous avez vu, le but étant de détecter les talents de demain. On y retourne. C'est la dernière manche. C'est les derniers espoirs. Et il y a déjà eu des morts. Il y a déjà eu des morts. Je crois qu'on a perdu Small. Belle tête de Jules. Ouais, Ivy, peut-être s'il nous fait un gros top 1. Lazarov en mal en point. Lazarov face à Loki. Lazarov qui fuit. Lazarov qui veut espérer. Hein, avoir assez de points. Ragbuzz qui vient de tomber à l'instant. Lazarov qui va nous quitter. Lazarov qui nous quitte top 11. Ça fait très très mal. Et c'est une super nouvelle pour l'homme qui est à l'écran. On va rester sur Jules. En cas techniquement de top 1, il y a de très grandes chances qu'il l'emporte. Grâce à la moving zone, hein, il aura fait combien de points Jules, 31 points sur le tir, ce qui est plutôt dans la moyenne. 35 points sur le box fight, qui est plutôt bas. Mais rattrapé, j'ai l'impression, par sa moving zone impeccable pour le moment. Je dis ça, il est en train de se faire bourrer par 3 personnes. Hein. Faut qu'il s'en sorte, Jules. Parce que bah, je vous l'ai dit, il y aura le vocal qui va rentrer en compte déjà. Et surtout, bah, vu que c'est des duos, on va peut-être faire 20 000 duos et non pas 20 000 joueurs. 20 000 duos, ça fait 40 000 joueurs. Donc d'un coup, tu doubles tout, ce qui devient un petit peu plus ambitieux. Hein, on est d'accord. Merci, Joker. Allez, Wavy. C'est les derniers instants, mesdames et messieurs. C'est les derniers instants. On a
perdu Jules, hein. On a perdu Jules. Du coup, bah en vrai, bah suspense jusqu'au bout, hein. Suspense jusqu'au bout. Même si là, il reste pas de vrai adversaire, hein, à la gagne. Je regarde les pseudos, mais safe en vrai, je crois qu'il est un peu loin. Best player, Mezo un peu loin. Ouh. Ah, il reste Wavy. Il reste Wavy. En vrai, il reste Wavy. Est-ce qu'on peut avoir la caméra sur Wavy? Ouais, rester un peu ici, parce qu'en vrai, en cas de victoire, il y a un vrai bail. Hein. Il y a un vrai suspense. Wavy, c'est peut-être ton moment. C'est peut-être toi, la détection. C'est peut-être toi, l'homme qu'on est venu chercher. Bon, oh, là, c'est facile. Hein. Là, oh, bien joué quand même, Mezo. Hein. Très malin, hein, d'être passé par ce côté-là, je trouve. C'était pas... C'est pas intuitivement, tu fais pas ça, mais voilà. Il s'attendait à être attendu. Allez, ouais, il montre-nous là, là, les qualités de... Voilà. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut montrer à la France entière et aux meilleures structures du monde. Le bon bullfight pour finir, le bon bullfight pour finir, mesdames et messieurs, d'un côté. Vous avez Wavy qui joue peut-être la victoire dans cette détection 2. Wavy qui avait heureusement encore un peu de points de vie à recharger. Il a la hauteur et il va lui tomber dessus. Oh, j'ai cru qu'il allait stopper Wavy. Finalement, il l'a. Et ça confirme le top 1 sur la fin, mesdames et messieurs. C'est terminé. On ne peut plus ajouter de points au compteur. C'est fini. C'est fini, les joueurs. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, le chat avant qu'on découvre les gagnants. Tous les joueurs qui ont bah, tout donné, hein, je pense aux 20 000 de départ. Un grand merci à vous. Voilà, si vous avez passé du bon temps sur la compétition, c'est que notre pari a été réussi. Donc bravo à tous ceux qui ont participé à la phase 1, à la phase 2. Bravo à ceux qui sont bien sûr allés jusqu'en phase 3, surtout ceux qui sont allés en finale. Et maintenant, bah voilà, les 12 joueurs ont montré tout ce qu'ils avaient à montrer. On a vu qu'en fonction des modes, il y en a qui étaient plus à l'aise que d'autres. Et bah maintenant, on comptabilise les points. On attend de connaître le grand gagnant de la détection 2. On va l'avoir aussi en vocal, c'est la tradition. On va lui donner un peu la parole. Donc dès que vous avez l'information, si vous avez des questions à lui poser, profitez-en. Et donc on va voir qui ressortira vainqueur. J'ai l'impression qu'il y a un doute entre Jules d'un côté ou Wavy de l'autre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le grand gagnant de la détection, édition numéro 2, en collaboration avec la Société Générale, c'est Wavy. C'est Wavy qui termine premier avec 151 points. Wavy premier, Lazarov deuxième, Jules, ce fameux joueur qu'on parlait, troisième, hein, voilà comme quoi il y a du costaud, il y a du très 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 costaud. Ragbuzz termine donc quatrième, Safe cinquième, Mezo sixième, Loki septième, et petite mention à Loki qui a cartonné sur les games de Battle Royale. Huitième, Razia, neuvième, Ori, dixième, Youssouf, onzième, iBlue, et 12e Small qui avait été repêché justement, qui finit avec 65 points, mais 151 points. Wavy a tout cartonné sur la moving. Regardez son score. En fait, en vrai, c'était le plus régulier. 30 points sur le stand de tir, il est dans la moyenne. Tu vois, vous voyez que les top stand de tir, c'est 35, etc. Donc, il est dans la moyenne. Box Fight, il sort avec 48 points. Il fait partie de ce haut du gratin. Voilà, avec ceux qui sont à 47. Je crois qu'il y en avait un à 59. Voilà, c'était justement Safe qui était à 59, qui avait tout cartonné. Mais il était, encore une fois, dans le top du classement. Et sur la moving, il les explose tous, justement. Et du coup, il l'emporte. Donc, c'est le mec qui a été le plus régu, peu importe ce qu'on lui a mis entre les mains, du Battle Royale, du stand de tir, de la moving, du Box Fight. Il a été en place, très correct, sur ses appuis. Et il la gagne largement, cette détection. Donc, gros GG à Wavy. Et sur le chat, je vous demande une pluie de GG. Continuez, parce qu'on va l'accueillir tout de suite. Wavy est avec nous, le chat. Oui, il est là. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ah bah, moi, je vais très bien, mais j'imagine que oui, ça va beaucoup mieux maintenant que voilà, le résultat est annoncé et que tu es officiellement le grand gagnant. Wavy, bravo. Merci. Comment tu t'es préparé à cette phase 3? Parce que bah, y avait justement ces games d'abord en Battle Royale pour faire partie des 12. Raconte-nous un peu ta journée, Wavy. Enfin, d'abord, présente-toi. Excuse-moi, je vais un peu vite parce que je veux tout savoir. Mais d'abord, présente-toi. C'est ton moment. T'es le gagnant. T'es le boss. Bah, je m'appelle Wavy. J'ai 14 ans. Je suis actuellement en Kogue. Je joue à Fortnite depuis le début du jeu. Je suis en 3ème actuellement. Et t'as appelé ça comment? Le Kogage? Non, le Kogage. Ah, le collège, putain, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Putain, t'es au collège, mec, t'es aussi monstrueux que ça, waouh, ok, putain, impressionnant. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, bah franchement, incroyable, hein. Collégien, il arrive déjà à cartonner. Comment tu fais pour gérer en même temps, alors après, ça a été une année peut-être particulière, mais en même temps, ton niveau, justement, sur Fortnite, qui est quand même, bon, on le voit en place, et vu la concurrence, et les gens qui le font à plein temps, ça doit pas être facile. Et à côté,
Bah justement le collège quoi, où bah c'est un des moments les plus compliqués, tu vois, tu passes de la primaire à quelque chose d'un peu plus conséquent et ça te prépare aux études supérieures. Ça va, t'arrives à gérer les deux ou en vrai les études ça se passe mal? Tu peux être honnête ici, hein. Non, en vrai, j'arrive à gérer les deux, mais après, j'ai un peu moins de temps pour m'entraîner, tu vois. Donc, Normal. c'est un peu compliqué, Puis mais même les je gère. horaires, parce que tu te lèves tôt le matin, donc du coup t'es fatigué un peu plus tôt, donc quand l'entraînement il démarre à 19-20h, bah t'arrives avec une journée sur le dos alors qu'un Sky qui vient de se réveiller depuis 2 heures. Non mais salut les gars. Donc, est-ce que t'as un peu hâte au fond de toi, alors l'objectif n'est pas d'arrêter les cours ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'as un peu hâte de pouvoir peut-être, si un jour t'en as l'occasion, donner à plein temps de ta vie à cette passion? Bah pour l'instant, c'est un truc que je fais à côté, comme j'ai les cours à côté, mais sinon, si ça peut me rapporter assez pour en vivre, je veux bien. Après, ça dépend, hein. Mais en tout cas, pour la détection, tu as été au-dessus du lot et du coup, bah, je voulais revenir sur cette fameuse journée. Comment tu l'as vécu? Comment tu t'y es préparé en étant plus si jeune? Est-ce que tu étais stressé aussi? Tu vois, parle-nous un peu de, même émotionnellement, comment tout ça a démarré aujourd'hui? Bah pour la demi-finale, j'étais pas vraiment stressé parce que je m'attendais pas à être qualifié. Ok. Puis après, dès que je me suis qualifié, bah c'est là que la pression a commencé. Et puis... Ouais, les games en Battle Royale sont bien passés pour toi? Ou c'était un peu chaud, tendu? Oh, sincèrement, ça s'est bien passé, mais vers la deuxième game, j'ai eu du mal parce que du coup, j'ai fait une mauvaise game, mais finalement, je suis passé, donc c'est essentiel. 5 000 euros de matos. Ça, tu joues avec quoi là actuellement? Tu estimes que tu as du bon matos ou pas? Ouais, j'ai un très bon matos, Bon, franchement. bah, va falloir qu'on discute pour qu'on améliore tout ça quand même. Parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer, j'imagine. Ah, bien T'as sûr. déjà des idées? Qu'est-ce que t'aimerais comme. Là, t'as le droit d'avoir les rêves les plus fous, hein. 5 000 euros de matos, je peux t'assurer que tu peux te mettre très bien. Hein. Je crois que le. Franchement, je sais pas du tout. En fait, j'ai tout, donc je sais pas. Bah, je crois que Sheikos c'était vachement bien tombé parce que Sheikos il a eu son PC qui avait cramé dans la foulée quoi. Quelques jours après la détection, donc on lui a refait un PC à 4 000 balles. Et bah justement, regardez, tiens, on va l'afficher en direct Weavy, il a 801 abonnés. Je vais pas vous en demander beaucoup. Si déjà on peut dépasser les 1 000 abonnés, lui faire passer un premier cap, lui montrer que vous êtes là. Et puis si vous voulez aller faire péter les scores, faites péter les scores. Vous êtes encore plus de 6 000 là sur le live. Allez-y, vous vous rendez pas compte, c'est pas grand-chose pour vous, mais ça va donner du baume au cœur. Regardez, j'enclenche la main. Moi, le follow est parti. Faites comme moi. Bah, je te laisse le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais, avec ton expérience maintenant, de grand gagnant de détection, quel conseil tu donnerais aux prochains qui tenteront la détection 3? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que. À quoi faut faire attention? Pour moi, faut s'entraîner, 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 et puis le succès, hein. Les 12 qualifiés, hein, et je pense que tu es d'accord avec moi, voilà, on peut dire qu'ils ont réussi leur détection, les 12. Vraiment, en arriver jusque-là, c'est déjà quelque chose. Mais ne pas oublier que lui, il est un petit peu au-dessus. À très bientôt, Wavy, passe une très bonne soirée. Merci à toi aussi. Et bah, on se tient au courant, voilà, maintenant je te follow, donc je vais suivre ton actu. À Merci toi bientôt, aussi. t'inquiète, bonne soirée. Bon bah j'imagine que vous avez kiffé le chat et vous êtes très nombreux comme d'habitude à en vouloir encore, à en vouloir plus, à en vouloir plus. Là ça demande des interviews de Lazarov, etc. Et vous le savez, je pense que vous le savez, hein, vous titillez là-dessus, mais la règle est la règle. Uniquement le gagnant a le droit de prendre la parole. Et oui, il fallait la gagner cette détection. Mais Lazarov, c'est quelqu'un qu'on aura l'occasion de recroiser comme Jules. C'est des gens qu'on croise sur nos compétitions. Ils finiront par aller gagner, ils finiront par prendre plus d'espace. Là, respectons le vrai gagnant Wavy. En lui laissant cet avantage, ce petit plus, justement parce qu'il a été un petit peu plus fort que les autres, tout simplement. C'est lui, le grand vainqueur de la détection 2. Je vous remercie une dernière fois tout le monde, que ce soit sur le chat, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les inscriptions, que ce soit les joueurs qui ont joué sur le terrain, toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon crew pour faire en sorte que tout ça se déroule bien. Voilà, Société Générale qui nous ont régalé, qui nous font confiance. Et l'avenir, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, hein. C'est beau, donc on se tient au courant, mais si vous voulez une détection numéro 3, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur Twitter, allez-y, dites-nous, et allez soutenir Wavy, il le mérite très très fort. Je vous fais des bisous, et je vous dis bah pas à demain, parce que demain ça va être les fêtes, donc très bonne fête à vous, mais après-demain, comme ça on se check, et on parlera, on prend un peu plus de temps pour se poser et parler. Donc profitez de vos fêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les gestes barrières bien évidemment, voilà, sécurisez-vous au maximum, tout en essayant quand même de passer... Des fêtes assez normales, entre guillemets. Et puis on se retrouve juste après. Je vous fais des gros bisous et à vendredi. Ciao tout le monde.